Je ne sais plus si on était parti ou si on était encore au On camp. était parti Voilà. parce que tu. On était arrivé dans une ville et tu m'avais offert le carquois magique que j'ai. Exactement. Et en chemin pour Djarndal, vous aviez également rencontré des individus vraiment très très space qui vous ont retourné le cerveau quand même. On va le dire franchement. Puisque du coup, Ah toi, oui, des voyageurs temporels. Ah Ouais. oui, c'est vrai. C'est ça. Des voyageurs temporels qui vous ont dit que visiblement il y avait un souci sur le monde sur lequel vous viviez et que vous devriez vous en inquiéter. Je crois que même que c'était encore plus space que ça, ils ont fait. Oh, c'est pas mangé ici, à part ça a l'air plus sympa que chez nous. Au revoir! Voilà. Quelque chose me dit que la suite va être vraiment très drôle. Ok. Je dis ça, je dis rien. Ben oui, surtout que dans cet univers-là, techniquement, je ne le connais pas. C'est ça. Il y a un problème d'adresse. Du coup, je crois que j'étais parti avec une partie de mes hommes et j'avais laissé les autres hommes à la défense de Ragtao, je crois, hein, qu'on avait Ouais, laissé là-bas. avec Garrok, il me semble. Oui. Non, Garrok, à mon avis, il venait avec nous. Oui, Garrok venait avec vous avec deux de ses hommes. C'est ça. Il va falloir que je fasse Garrok ce soir, ça va être drôle aussi. Et du coup, pour l'histoire qu'on a répétée avec Ocaris tout à l'heure, du coup, vous deviez aller à Djarndal pour aller voir la maison Boran. Car la maison Boran avait sous leur responsabilité une petite fille du nom de Brunichild, qui est une petite naine qui vient de Cavendir, tout à l'est du territoire, et petite naine de Cavendir d'une famille noble de la maison Oval. Et malheureusement, cette petite fille a été enlevée. Et à la place de mettre en place une alerte à enlèvement, ils ont préféré cacher la vérité pour éviter de mettre le discrédit sur leur maison, Bohan. Et de ce fait, ils ont décidé par l'intermédiaire de Théodémir de venir quérir Jacine et sa grande armée, qui est du coup la belle-sœur de Tempest Fulgur, qui possède un énorme bateau, le plus grand du territoire, le plus grand du royaume. Pour la simple et bonne raison, c'est que la dernière fois qu'on a vu la petite fille, il semblerait que ça soit au port de Djerndal, entourée d'individus humains, qui du coup l'amenaient vers un bateau, pour l'amener du coup vers le large. Et il semblerait que ces individus portaient du coup le signe, enfin des signes des pirates de Kepritos. Donc bien entendu, comme Kepritos, a priori, c'est loin, plus le bateau est gros, plus ça permettra de les rattraper, sachant que à l'ouest, c'est quand même un océan quand même assez géant. Donc de là à pouvoir la retrouver, ça va pas être facile facile. Je crois que j'avais envoyé un message à la confrérie pour avoir des informations sur ces pirates. Et également à ma mère, sur le sujet. De mémoire. Oui, c'est possible. Qu'est-ce que vous aviez d'autre? Rien de particulier. Du coup, vous avez croisé ces individus étranges. Vous veniez tout juste d'arriver à Jardal, où d'ailleurs, tu avais donné leur signalement, je crois, à Jacine. Parce que du coup, ça t'avait tellement choqué que tu as demandé ce que tu as dû alerter les gens de la ville. Possible, j'ai plus en tête. Bref.
À partir de là, bah, vous deux, que faites-vous, sachant que bien sûr Garrok vous suit, non sans malaise, puisque vous rentrez dans un port et que lui, les ports, c'est pas son dada. Bah, là, on est à quel moment de la journée déjà? Là, vous arriviez en fin de matinée. Ok. Bah déjà, dans un premier temps, je pense que le mieux, c'est de mener l'enquête. Donc, je vais demander à des hommes de faire un camp un peu à l'extérieur de la ville. Et pendant ce temps, je préconise qu'on aille voir la maison Bohan. Est-ce que Tundimir nous a rejoint et avec nous ou pas? Tudimir et Non, il me semble pas. vous retrouvera sans doute à la maison Bohan. Me semble Du pas non moins, plus, mais. Ah, Claude? oui, pardon. Pas de soucis. Du coup, Tudimir, vous allez sans doute le retrouver au niveau de la maison Bohan. D'accord. Et donc il était parti de son côté, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'en pensez-vous, Farmiard? Pense que ça Farmer, serait. il te regarde même pas, il regarde la mer. Tu vois qu'elle te tapote un peu l'épaule. Oui. C'est la première fois? Oui, tout à fait. Ah, il y a une première fois à tout, vous inquiétez pas. Comment ça s'appelle? Une mère. D'ailleurs, J'en avais entendu parler par les nouveaux arrivants, mais que des descriptions. Oh. Il y a Des peut-être des descriptions. chances que vous pourrez voyager dessus. Oh, je suis pas sûr que ça m'aide à long terme, si jamais je rate ceux qui ont. Et tu vois que j'arrête ma phrase complètement. Enfin, Ceux qui ont. disons, comment dire? C'est une bonne question. Une conversation que nous aurons ultérieurement, si je comprends bien. Ou pas? Voilà. Je ne vous fais pas encore confiance, voyez-vous. Je comprends. La confiance est quelque chose qui se construit. On a déjà échangé sur le sujet. À Lorsque fait. vous en ressentirez le besoin, sachez que mes oreilles seront toutes oui. C'est votre utilité que j'aurais besoin peut-être, mais j'en jugerai en temps et en heure. On fait quoi ici déjà? Et tu vois que Farmer a vraiment complètement oublié le pourquoi ils sont venus ici et qu'il est à. Tu vois que c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, quoi. Nous avons un rendez-vous avec la maison du Beau, hein. Suite à une petite histoire qui nous a contée par un certain Tudimir. Comment on peut avoir un rendez-vous avec une maison? Ce serait pas plus simple d'avoir un rendez-vous avec des gens? Voilà. Il y a bien des choses que vous ne connaissez pas sur ce territoire, mon cher Farnia. Non, Et tu moi vois je suis que très à l'aise dans la forêt. au fur et à mesure, elle t'invite à la suivre et puis. Ah bah, je te suis. Il, Aucun problème. et tout en chemin, elle t'expliquera ce que c'est qu'une maison au sein de ce territoire-là, et donc du coup que c'est une famille en fait qui une famille noble. Oh. Ou une famille chef de village, tu le mettras entre guillemets, la mettra entre Ah, guillemets. voilà. Là, tu vois qu'il comprend facilement avec cette analogie-là. Voilà. Et elle prend la direction de la maison de Beaumont tout en interrogeant un garde. En arrêtant un garde à un moment donné pour demander son chemin. Ok. Elle est accompagnée de quatre hommes. Alors, un point de vue sur le paysage, parce que effectivement, vous arrivez en vue de la mer. Vous arrivez un petit peu en surplomb par rapport à la mer, donc vous voyez un petit peu le port en contrebas. Vous voyez qu'effectivement, vous avez ouais. Une vue incroyable sur le large.
avec des ports qui sont aménagés de différentes façons. Vous avez des quais un petit peu plus luxueux entre guillemets, qui permettent à des bateaux plus alariens de s'arrimer, et d'autres un petit peu moins pontons un petit peu plus sales, pas forcément en bois mais un petit peu plus sales, qui permettent à des bateaux un petit peu différents de s'arrimer. Et d'ailleurs vous bah du coup toi Jacine, tu vas pouvoir me faire un jet d'histoire. Un jeu d'histoire, bien sûr. Histoire. Ça commence bien. Alors, tu vois un bateau qui a des couleurs Qui flotte, c'est bien. qui flottent, ouais, déjà, et surtout qui a des couleurs que tu ne connais pas, ce qui te vexe un petit peu, parce que bon, tu es une Talbanaise, tu as une famille qui gère quand même pas mal de choses qui viennent des bateaux, et des bateaux qui viennent de loin. Et là, celui-là, tu vois pas qui c'est, de quel pays il vient, ou t'as du mal à trop reconnaître, tu vois juste qu'ils ont l'air d'être humains. Et Ok. qu'il vient juste d'arriver. Ils sont en train de Bon, défaire des je suis cargos. peut-être plus concentré avec à discuter avec Farmia, c'est peut-être pour ça que Peut-être. j'y prête moins attention. Bon, alias, du coup, mon cher Pelgar, c'est de là dont tu descends. De ce bateau-là dont tu descends. J'avais bien imaginé que ça serait le cas. De ton côté, tu t'es invité. Bah, en même temps, tu es invité, mais je pense que ton envie, c'est de descendre du bateau, parce que ça fait un long moment que tu navigues et que tu as enfin envie de passer plus de 15 jours sur la terre ferme. Parce que ça fait très très longtemps Absolument. que tu n'as pas pu fouler si longtemps la terre ferme. Ça te démange. Et justement, tu arrives dans un port qui, bah du coup, toi, tu vois du coup cette ville portuaire avec cette fabrication du port où tu vois ceux qui sont en hauteur, plus loin, qui doivent très certainement admirer la vue du large. Toi, tu le vois comme les autres, mais les autres, c'est une autre perturbation. Mais toi, de ton côté, c'est le déchargement du bateau qui commence tellement vite. Mais bon, tu es habitué, hein, parce que tu as vu quelques déchargements. Et tu es invité par certains compagnons, enfin, certains membres de l'équipage, à venir à la première taverne du port pour profiter d'un remontant bien mérité après cette traversée. Très bien, bah je vais vers les tavernes sans patienter, hein, comme tu le disais, j'avais qu'une idée, c'était quitter ce navire, et donc voilà, je me dirige vers la taverne. Tu te diriges vers la taverne, tu rentres à l'intérieur, et au moment où du coup tu rentrais, tu croises un individu humain qui visiblement porte quelques gibiers sur lui et qui a l'air de vouloir s'empresser. À partir de la taverne. Il regarde un petit peu derrière la ville, du côté des falaises, et il trace sa route en passant à côté de toi. Ok, je vais tenter de l'arrêter et aller discuter avec lui. Et toi là? Bonjour, vous... Tu vois, d'un coup, il essaye de tilter d'où est-ce que tu descends. Donc, il regarde un petit peu qui sont avec toi. Et puis,
Ah. Vous venez de là-bas, de la élite, c'est ça? Je ne sais pas si ça vous regarde, mais dites-moi, où est-ce que vous allez si vite comme ça? J'ai envie de vous dire que ça. Du coup, t'es habillé comment? Je suis en armure. Hein. C'est pas le gars, hein, j'ai envie de te dire. Parce que Je suis vêtu de mon armure et bien, bien équipé, quoi. Hein. J'ai pas l'air de venir cueillir des fleurs, quoi. Ouais, donc il te regarde de bas en haut. Vous venez pas d'ici? En effet. Alors, comprenez bien, je ne vous le reproche pas, je pense que c'est plutôt un atout. Mais si vous ne venez pas d'ici, je pourrais éventuellement accepter que vous m'accompagniez. Et je pourrais vous en dire plus sur là où vous avez atterri, et peut-être savoir ce que vous recherchez. Et vous y aider d'ailleurs. Très bien. En disant que je ne suis donc pas d'ici. Ça, c'est une bonne chose. Je me présente, Tuodimir. Je suis au service de la maison Bohan, je suis leur chasseur attitré. Et maison Bohan est une maison noble de Jardal, qui, bon, si vous ne le savez pas, est une famille noble du Norven. La fédération clanique sur laquelle vous vous trouvez, territoire sur lequel vous vous trouvez actuellement. Et nous recherchons des individus qui soient capables de garder leur langue et de manier une arme si besoin est. Et accessoirement, des gens qui aiment bien naviguer. Bah écoutez, je pense que vous pouvez voir que j'ai pas l'air de comment dire faire simplement du commerce. Je suis équipé pour me battre et garder ma langue, ça je l'ai fait il y a quelques instants. Enfin, on pourrait dire que prendre le bateau, ça se voit, je débarque. Donc, aucune crainte là-dessus. Ok, très bien. Désolé de vous presser. Si vous êtes prêt, je crois que vos chers amis doivent certainement vouloir boire un verre. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps de boire un verre. Donc, si vous voulez m'accompagner, je vous offrirai un verre à la maison. Parce que nous recevons des personnes très importantes qui viennent de loin. Et d'après les informations que j'ai, ils sont à proximité. Très bien, je vous accompagne avec plaisir. Comment vous D'aboisson, c'est appelez-vous? pas ce qui m'intéresse le plus. Pelgar. D'accord. Très bien. Eh bien, et du coup, il t'amène à travers des petits chemins et des grands chemins de cette ville portuaire. Vous, en haut, vous descendez, parce que du coup, on vous a dit où se trouvait cette maison. Donc, assez Ok. facilement, vous allez y arriver. Vous allez rentrer dans une maison typée nordique, mais pas en hauteur, plutôt dans une sorte de cuvette au niveau du relief, mais quand même tout aussi structurée comme une maison nordique à la Thor, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et vous allez voir une activité assez importante au niveau de cette maison. Vous voyez des chevaux qui, sur de bons maîtres, sont attachés
Et assez rapidement, ils repartent avec un courrier dessus, un coursier dessus. Donc vraiment, il y a une activité assez intense de messages qui arrivent, qui repartent. Certains arrivent avec des marchandises qu'ils trimballent dans des sacoches. Il n'y a aucune charrette présente sous vos yeux actuellement. Il y a pourtant au milieu une sorte de parc en U qui pourrait permettre de faire stationner des charrettes. D'ailleurs, vous y voyez quelques traces de passage de charrettes, justement, même à distance, puisque du coup ça a été creusé sur le sol. Vous ne voyez pas beaucoup de personnes de noblesse qui soient au pied des portes ou même de serviteurs à accueillir les personnes qui arrivent ou de raccompagner ceux qui partent. Apparemment, les gens rentrent et sortent d'eux-mêmes, ce qui pour toi, du coup, Jacine, est assez particulier. Ce qui pour toi, Farmia, est tout nouveau. Et en ce qui te concerne, Pelgar, c'est assez particulier. Très bien. Du coup, je suis quand même monté sur le Serpopard, hein, sur Atis. Alors oui, ça c'est vrai. J'ai pas fait de remarque par rapport à ça. Tu fais bien de me le dire. Parce que bon, autant dire que rentrer dans le Jardal avec un Serpopard, ça passe pas du tout inaperçu, mais bon, tu commences à être habitué maintenant. Oui. Et effectivement, toi tu verras du coup, Pelgar, quand tu vas arriver vers la maison, puisque du coup, Tiodimir lui va accueillir nos chers amis, tu vas voir une jeune femme avec. Jacine va se décrire. Dans un premier temps, on voit pas forcément une jeune femme, le visage d'une jeune femme. C'est Oui, c'est ça. C'est pour ça que on je me voit demande. la photo qu'on voit dans le RP Jacine Garrock. Donc une humanoïde avec une capuche qui couvre tout son visage, avec un long manteau noir et un bâton avec une petite lanterne au bout qui est dans son dos. Elle a une épée courte, une garde d'épée courte et son fourreau à la taille avec deux dagues. Et à travers ce manteau que tu vois, en tout cas de cette cape que tu vois qu'elle a une sorte d'uniforme du Talbot. Ok, très bien. Je suis en uniforme du Talban d'ailleurs, je me doute, je suis pas sûr. Tu peux être en Bah si, uniforme je suis du officier. Talban. Ok, bah, je suis en uniforme du Talban, tu vois. Je sais plus si tu l'as vu, mais du coup, tu chevauches un Serpopard Tout à fait. dont l'image est aussi dans le RP Jacine Garrok un petit peu plus haut. Ah, je l'avais pas vu celui-là. La petite bestiole avec une tête de tigre et une crête rouge. Yes. Et en fait, quand elle voit Tudimir, elle enlève sa capuche et tu vois une jeune femme, une elfe blonde, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, Ouais, tu es blonde. pas. Comme ta sœur. Attends, c'est ça. Attends, je vais reprendre Bah oui, hein. Je vais juste aller rechercher la photo. C'est pas là. Non, je l'ai pas. Je crois qu'elle a les yeux clairs et elle a quelques petites écailles cuivrées qui sont masquées par ses cheveux, si jamais.
crois que j'ai quitté. Ouais. Ah oui. Je reviens. Si jamais tu pousses la perception. Ok. Donc en gros, tu veux qu'il fasse un jet de perception. Ou est-ce que tu veux qu'il regarde plus intensément? Bah, je pense que c'est déjà pas mal ce. Ah oui, il y a même Chimie qui est partie du rejoindre. T'as pourtant. Ouais, il y a un truc. En fait, j'ai fermé une fenêtre et ça a fermé la fenêtre d'après, de derrière, donc c'est plus pour ça. Oui, mais juste au moment où t'es revenu, je me suis dit, tiens, ça a changé de nom. Mais non, en fait, c'est parce que t'as. Voilà. T'avais fait une cascade sur Farmia. Voilà, normalement, je serais là. Oui, oui. Du coup, à côté, avant de passer la parole à Farmia, tu vas voir trois demi-ogres, même s'il y en a un qui est un petit peu particulier dans son costume. Dans son costume. Je ne devrais pas dire ça comme c'est ça. C'est pas un costume. Oui, c'est vrai. Non, je me suis décarcassé. Hein. Attends, merde. Ah oui, si par contre tu vois qu'elle est accompagnée de quatre autres hommes en uniforme du Talban. Qui ils ont chaud. Ils sont chauds, ils ont l'air d'être un petit peu malades. Enfin, ils ont l'air d'être pas maladifs, mais ils ont l'air de pas aller très très bien. Bon, Jacine sait pourquoi. Mais... Oui, oui. Bah, Jacine aussi est dans cet état. Hein. Oui. Du coup, tu vois deux demi-ogres qui, ma foi, ont l'air d'avoir des symboles tribaux sur eux, l'air de montrer, bah, comme toi tu connais, hein, de montrer leur provenance de clan. Mais t'en as un qui particulièrement te titille l'œil, parce qu'il porte une cape d'ours. Si je ne me trompe pas, Chimique, tu n'hésites pas à m'interrompre si je dis des conneries. Une cape d'ours finement taillée. Tu vois que tu connais très peu de demi-ogres avec une cape aussi finement bien taillée qui lui permet d'avoir le corps totalement recouvert de cette cape, ainsi qu'une partie de son visage avec les dents de cet ours qui lui arrivent juste sur le haut des yeux, ce qui lui donne franchement un air de chef demi-ogre, puisque du coup il est largement mieux paré que les deux autres. Je crois que, Chimique, je crois que tu n'es pas en train de marcher avec les autres à ce moment-là, je crois que tu es encore en caravane. Oh, bon, non, je suis probablement un peu en arrière, comme d'habitude. À surveiller les mecs malades, un peu du coin de l'œil. Bah, du coup, tu peux... Et à ranger la cape. Tu peux te décrire, parce que tu vas être un petit peu en décalage par rapport aux autres, donc Pelgar te verra. Eh bah, ben, Farmiar, c'est un elfe... Il a des grands yeux verts, des longs cheveux noirs, une petite pierre rouge dans un collier qui est clairement fait en liane, des vêtements qui sont clairement très très naturels, mais bien taillés. Enfin, tu vois que c'est un mec qui sait se débrouiller. Tu penses qu'il a tanné lui-même son armure ou des conneries dans le genre, tu vois. Lui, il est là pour cueillir des fleurs. Par contre, effectivement, ce qui... Mais il a un arc qui est très beau. Et ce qui... Enfin, très beau, très bien foutu. C'est ce qui te trouble, mon cher Pelgar, tu sais bien ce que c'est qu'il ressemble à quelqu'un que tu connais très bien. Oui, tout à fait. Et ça te... Un certain ça te sidère. C'est un doppelganger. C'est un doppelganger au point que ça soit la même personne. C'est fou, ça, hein. Oui, bah donc Pelgar va l'apercevoir et écarquiller les yeux. Bah, est-ce que tu peux te décrire, du coup, parce que du coup les autres ne savent pas comment tu es. Enfin, oui. Il y en a un qui ne sait pas comment tu es.
Ah bah, farmière non plus, je vois pas du tout de quoi vous parlez, monsieur. Assez fidèle à l'image qui est présente sur Old 20. Il est grand, il est beau, le soleil lui sur son armure. Oh, c'est plus que le soleil qui lui sur son armure. C'est un Aasimar qui a une aura bleutée qui l'entoure. Doit approcher la quarantaine, j'imagine. Lourdement vêtu, arborant un bouclier dont on se doute qu'il a des propriétés assez intéressantes. Qu'est-ce qu'il a aussi? Donc une lance. Voilà. Grosso modo, et quand tu t'approches de lui légèrement, ça fait tes oreilles, tu sais pas pourquoi. C'est ça. C'est magique. Voilà pour la description de Pelgar. Et donc Pelgar qui est stupéfait. Stupéfait de voir Farmia à cet endroit. Mais il se doute que peut-être il serait bon de peut-être pas trop faire de remous. Alors attends, j'ai juste une question, Claude. Est-ce que je suis censé pouvoir savoir qui est Jacine ou pas, la reconnaître ou pas, compte tenu de ce que je sais? Oui, alors on t'a dit que c'est une générale du Talban, enfin t'auras dit pendant ton voyage que c'est une générale d'armée du Talban, une officier, oh là là, mon dieu. Oui, une parce officier. Que général, je ne sais pas encore. Mais... Oui, non, mais je confonds avec ton beau-frère, qu'est-ce que tu veux. Une officier militaire du Talban qui, de base, est blonde aux cheveux longs. Avec une peau très claire et qui est assez elfique. Bon, c'est sûr que tu la reconnais pas tout de suite. Parce que forcément, avec la capuche, c'est un petit peu plus compliqué. Ok. Donc, on peut partir du principe que, ne l'ayant pas forcément reconnu, j'ai pas forcément pris trop attention et je préfère... Enfin, je m'intéresse à Farmia. Et donc, je l'interpelle. Okay. En disant, Farmia, c'est bien toi? Oui, je m'appelle Farmia. Vous êtes qui? Comment es-tu? Ça fait... Pardon? Mais tu ne me reconnais pas? Ah bah, je ne vous connais pas. Donc là, totalement... Béa, je ne comprends pas ce qui se passe et je me pose de... nombreuses questions sur ce qui a pu arriver à Farmiard, mentalement parlant surtout. Et je me rappelle un petit peu de Farmiard et de son attitude, etc. Et je me dis que c'était peut-être... Bon, c'est peut-être lui, mais il se rappelle plus de moi. Je vais lui demander... Et qu'est-ce que tu fais ici, en essayant de changer un peu de sujet de conversation et pas trop creuser le fait que je comprends pas la... Je suis sorti de ma forêt et puis je me suis installé dans une ville et puis Yatjodimir à un moment il avait des problèmes et puis il y avait une bataille et puis. Et puis il y avait Jacine, et puis on est là. Jacine est avec toi? Mais je ne vous connais pas, monsieur. J'ai pris le personnage de... Et il n'existe plus là-bas, c'est fini. Je sais très bien. Mais toi, tu as des souvenirs, hein, mon dieu. Ah bah oui, c'est ça. Hein. C'est problématique. Parce que moi, je suis le vrai même perso. Ouais, moi aussi, sauf que j'ai cette mémoire n'existe pas pour celui-ci. C'est tout. C'est ça. C'est gênant. Non, mais c'est pas grave. Je vais lui dire. Très bien. Je me présente. Je suis Pelgar et je suis à la recherche de Jacine. Pourquoi vous brillez en bleu? Peut-être qu'on en discutera un petit peu plus tard, mais est-ce que vous pourriez me présenter à Jacine, s'il vous plaît?
Alors, Tu deux vois choses. que la femme en capuche qui était en train de descendre du Serpopard, tu entends une voix immanente de cette personne encapuchonnée qui dit Et qui cherche donc cette Jacine? Un certain Pelgar. Tout à fait. Belgar, c'est bien moi. Qui me reconnaît de je sais pas d'où. Et tu vois que elle s'approche de toi avec tout en s'appuyant légèrement sur le bâton, je dirais, et qui vous envoie. Je ne peux pas vous dire que quelqu'un m'envoie en particulier. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis un ancien de Silguédrim et que j'ai entendu dire que vous recherchiez des braves pour aller au nord. Effectivement. Je pense être brave. Et je souhaite aller au nord. Est-ce que je peux vous accompagner? Eh bien, toute épée de supplémentaire ne serait pas de refus. Bien que notre présence ici, je ne peux garantir notre venue au nord. Initialement, je pensais pouvoir contourner les invasions des peuples nordiques, mais une mission de la plus haute importance m'a fait part par un certain Tudimir. Qui lui est à côté de vous et qui sait pas trop où se mettre en fait. Il comprend pas trop ce qui se passe. Et Farmer, elle va être à côté de lui, elle va lui montrer les dernières prises qu'il a fait avec. Tu vois, ça, c'est avec le filin que tu m'as vendu une fois. je vous en prie, suivez-moi. Et du coup, de son côté, Tudimir, lui te dit, mais vous vous connaissez en fait, parce que moi, il vient juste d'arriver en bateau de je ne sais où. Il m'a juré que il te connaissait, qu'il ne connaissait pas ici. En fait. Oh, moi je l'ai Qu'est-ce que tu disais, Chimique? Je trompe de personne. Et je me tais. Edimir, pouvons-nous demander une audience auprès de la maison du pont? Oui, bien sûr. Bon, bah, je ne vous présente pas Pelgar, mais suivez-moi, je vous en prie. Du coup, il te regarde un petit peu de travers, hein, Pelgar. Et il a tendance à marmonner dans sa barbe. Inconnu sur le territoire, qu'il disait. Et du coup, vous rentrez à l'intérieur et vous tombez dans un salon digne d'un salon viking, avec une grande, un endroit assez grand où ça brûle. Il fait du coup hyper chaud à l'intérieur. Et sur les côtés, c'est assez vaste, il y a des bancs, des chaises. Aucune table. Si vous voulez une table, il y en a une derrière le foyer, enfin au fond du bâtiment, où vous voyez une grande table qui fait toute la largeur de la pièce. Et vous voyez quelques personnes qui sont assises, dont une jeune femme avec un des habits dans les tons violet assez chaud. D'ailleurs, quand je dis ça, faut que je fasse gaffe au calendrier quand même. Assez chaud et qui semble avoir un visage assez dur et assez franc.
qui d'ailleurs vous verra arriver tout de suite. En même temps, vous passez pas trop inaperçu non plus, malgré le monde qu'il y a. Il y a quand même du monde qui rentre et qui sort, qui reste assis à boire, certains à fêter. Vous pouvez remarquer qu'aussi certaines mœurs qui pourraient choquer autre part en Alarion ici ne choquent personne. Et vous avez du coup la dame qui voit Tudimir assez rapidement avec vous et du coup qui fait le geste d'approcher. Je suis Tuzimir et j'attends qu'il me présente. J'emboîte le pas. Moi, j'emboîte le pas de Jacine. Alors, je Ah. Je vérifie juste la saison, hein, histoire que vous sachiez exactement si vous avez trop chaud ou pas assez. Ouais, vous êtes au printemps, donc on va dire que ça va encore. Pas trop grave, vous êtes au tout début du printemps, donc cette chaleur vous fait plutôt du bien. Vous qui particulièrement avez fait un camp militaire qui était beaucoup plus froid que celui que l'accueil que vous avez dans cette maison, donc ça vous fait vraiment du bien. Toi, chimique, tu te sens un petit peu étouffé parce que tu n'es pas habitué. Est-ce que les maisons tiennent autant bien la chaleur? Non, je confirme. Ouais, c'est un peu étouffant quand même. Et puis, dès que c'est la taille de la cheminée, c'était la taille de la hutte du chef, je suppose. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. En gros, tu as l'impression qu'il y a ta cabane qui est en train de voler en plein milieu de cette maison. On pourrait faire. C'est fou. Vous arrivez devant la dame, du coup, Théodémir vous annonce. Voici madame. Alors, c'est vrai que je ne lui ai pas donné le nom à cette dame. Sauf si je vous l'ai donné, mais je crois pas. Voici, messieurs, madame Margaret de Beauvan, qui est une noble, enfin, la maîtresse de la maison Beauvan. Chère madame, voici nos chers amis venant du front, dont du coup la célèbre Jacine Loraven, ici présente, De la maison Loraven. de la maison Loraven, hein, il n'y a pas de problème, accompagnée de Messire Garrock. Il présente de haut en bas la stature de Garrock et de ses accompagnateurs du moment. Du coup, Farmiard, qui du coup m'a permis de prendre contact avec Madame Jacine Loraven, de la maison Loraven. Et en chemin, je me suis permis de ramener ce qui semble être une personne capable de se battre et de savoir naviguer, qui m'a dit venir de loin et pas d'ici. Messire Pelgar, mais si j'ai bien compris, il est sous la. Sous les connaissances déjà de Jacine et de Farmiard, dirons-nous que c'est leur compagnie. Alors ça se voit pas, mais quand t'as dit que c'était une connaissance de Jacine, Jacine elle a levé un sourcil. Et quand t'as dit que Farmiard, il le connaissait, il a fait un petit nom de la tête. Du
Du coup, lui, de la même façon, il vous regarde, il ne comprend toujours pas, mais du coup, il regarde la réaction de sa maîtresse de maison, qui, elle, secoue négativement la tête. Certes, bon, c'est pas grave. Vous avez au moins entretenu un minimum sur l'affaire qui les amène, au moins. Oui, madame, bien entendu, je leur ai dit tout ce qu'ils avaient à savoir. Bien. Alors, si je peux me le permettre, Tiodimir, et je me le permets, c'est que tu puisses vaquer à tes occupations et nous recontacterons un petit peu plus tard. Et si tu veux bien, si je puis te le demander, gentiment, c'est la prochaine fois que je te demande de ramener des gens. Essaye de ne pas m'inventer des histoires qui ne tiennent pas. Bref, bonne journée, tu dis. Du coup, le dernier est un peu vexé, s'en va, vous salue pas, parce qu'il est vexé et que du coup il a la tête basse, enfin bon, il sait pas trop où se mettre en fait, et il s'en va. De son côté, la dame de maison vous invite à venir dans une petite salle que vous avez à peine aperçue quand vous êtes approché de la grande table. Un petit peu plus loin, il y a une porte qui amène à une deuxième partie de bâtiment qui n'est pas aussi vaste que ça, mais qui a l'air de ressembler à des appartements un petit peu plus normaux par rapport à ce que vous connaissez, du moins Jacine et Pelgar. Enfin, quoique espace, on peut dire Farmia aussi. Oui, si j'étais dans la taverne, la plupart du temps, ça ressemble un peu plus à ça. Voilà. De ça. Vous rentrez à l'intérieur et effectivement, ça ressemble à une petite famille qui est rassemblée à l'intérieur. Il y a une grande table ovale avec des chaises autour, des enfants qui jouent dans cette salle assez vaste pour ceux qui sont restés à l'intérieur, et des personnes qui discutent soit autour de la table, soit dans de petits fauteuils aménagés dans le coin. En train de discuter ou de jouer aux cartes ou aux dés. Certains sont en armure, certains sont en... Enfin, la plupart sont en armure, certains sont habillés de peau épaisse et plutôt richement cousus. Ce qui va un petit peu t'intriguer, mon cher Farmer, parce que du coup... tu te dis qu'il y a peut-être matière à avoir un métier dans le coin. La dame, elle, voyant un petit peu cette occupation de l'espace qui est fait par différents membres de sa famille, vous propose d'aller encore plus loin dans cette maison, car vous disant que il y a encore trop d'oreilles. Et vous amène dans une chambre qu'elle dit être la sienne. Vous excuse par avance de vous amener dans une chambre, mais la discrétion dans laquelle l'affaire qu'elle va vous narrer, vous mettre en quête, demande une discrétion optimale. Du coup, la chambre semble être l'endroit le plus en adéquation avec la situation. Vous rentrez dans cette chambre. Il y a assez peu d'espace et en soi c'est un petit foutage de gueule parce que les murs sont fins. Du coup vous êtes un petit peu à l'étroit, surtout Garrock, qui doit se baisser pour rentrer dans la chambre, qui a du Qui mal doit à se grimper. baisser pour rentrer dans la maison déjà. La maison, ça va encore. La pièce où il y avait la chaise et les tables,
Ça pouvait aller encore. Par contre, la chambre, le lit est trop proche, donc il peut pas tenir debout. Du moins, il est à chaque fois qu'il fait un pas, il tombe sur le lit, donc ça fait du bruit. Et oui, debout, il tient pas. Donc autant dire qu'il va demander à ses compagnons de rester à l'extérieur, ce qui lui semble de toute façon incontournable. Et bien sûr, tes compagnons, Jacine, vont être demandés de rester à l'extérieur également, enfin, tes compagnons en armes. Oui, moi je leur aurais indiqué l'ordre de rester, enfin deux auprès de Atis et puis deux auprès de devant la porte. Et une fois à l'intérieur, elle vous invitera du coup à vous asseoir de façon assez particulière sur le lit, afin que vous puissiez vous voir et parler. Bon, pour ceux qui sont en armure, c'est désagréable. Je crois qu'il y en a au moins deux. Donc c'est désagréable d'être assis sur un lit avec une armure, dans les positions dont elle vous demande. Mais bon, vous faites au mieux. Bon, merci d'être venu suite à la demande, l'appel au secours que Tsudimir vous a communiqué. Je répète pour ceux qui n'auraient pas compris, et comme j'ai quelques doutes sur la narration de Tsudimir, je préfère recommencer l'histoire telle qu'il faut que vous la compreniez. Brunichild est une petite fille de la maison ovale de Cavendir. Et cette petite fille est sous notre responsabilité. Nous sommes, c'est notre pupille. Et disons que il y a 2 ou 3 jours, nous avons remarqué qu'elle a disparu. Bien entendu, nous sommes inquiétés et assez rapidement, j'ai cherché à savoir comment nous pourrions assez vite retrouver cette petite fille. Puis un témoignage nous est vite arrivé au niveau du port, comme quoi des pirates de Kephritos l'auraient potentiellement enlevée. Ce qui nous inquiète puisque ce bateau serait déjà parti. Et jusque aux nouvelles, bien entendu, de ces derniers jours où nous avons appris que vous étiez, vous, Jacine Loraven, présente dans les environs. Et dans mon désespoir, je me suis dit que vous étiez certainement la mieux placée pour m'aider. J'entends ce que vous dites, mais en quoi mes compétences pourraient être plus adaptées pour vous aider? D'après les rumeurs, je parle seulement des rumeurs. Vous êtes une personne efficace et lorsque l'on vous charge d'une mission, vous êtes efficace. De par ailleurs, vous avez cette compétence d'être efficace, mais vous avez aussi cette relation familiale que vous avez depuis peu avec le général Tempest Fulgur, le général du coup du roi. Oui, mon beau-frère. Votre beau-frère qui a reçu lors de ses noces un cadeau inestimable et qui est sans doute très utile. Un gigantesque. C'est un 5 mâts, hein, Caris. Un 9 mois. 9 mâts. Un 9 mâts qui, je n'en doute pas, doit être très rapide et doit certainement fendre les flots avec une efficacité redoutable quand on connaît votre famille et la qualité de son travail. Nous ne pouvons que penser
que ce bateau aux mains d'un général qui semble être tout aussi illustre, désormais, au vu de ses dernières actions, fait que retrouver une petite fille qui a été kidnappée au large par des pirates de Kypritos semble être un jeu d'enfant pour votre beau-frère et ce neuf mâts. Je comprends ce que vous dites, mais comme vous le savez, les événements ici dans la région ne m'ont pas permis d'assister au mariage de ma sœur et de mon beau-frère. Et j'ai cru comprendre que son navire était déjà en mission. Mais vous l'avez prévenu. J'avais effectivement prévenu ma mère, effectivement. D'accord. Ok. Parce qu'au niveau des dernières informations que j'ai reçues et que Théodémir n'a pas, puisque elle date il y a quelques heures désormais, il y a un bateau qui est arrivé. Non pas ce matin, mais hier soir, il me semble, qui vient du Grand Nord et qui semble être certainement plus intéressant pour vous. Enfin, je ne sais pas quelle est votre position par rapport à la bataille du Nord, puisque au lieu d'avoir la crainte que ce bateau pirate soit parti vers Kephritos, nous avons l'espoir que ce dernier bateau pirate soit celui qui nous a été signalé par ce bateau qui est allé vers le nord. Et toutefois, ça me semble assez logique que des pirates, avant de rentrer à la maison, continuent leur campagne de rapia. Et continuer un petit peu plus sur les côtes. Et ce bateau nous a précisé du coup qu'un bateau pirate aux couleurs de Kephritos serait parti allonger les côtes et a continué de faire des saccages en route. Ce qui veut dire qu'ils sont toujours dans le coin. Avez-vous un bâtiment à nous mettre à disposition? Connaissez-vous quelqu'un qui puisse nous faire cette faveur? Pour ce genre de situation, pour un cas de force majeure comme celui qui est présent, nous pouvons réquisitionner n'importe quel bâtiment du port pour vous permettre de partir à la poursuite de ces pirates. Bon, nous vous disons quand même dans l'immédiat que il ne s'agit pas de neuf mâts comme votre beau-frère, bien entendu. Je dois vous avouer que moi-même, je n'ai pas vu ce fameux navire. Et je suis d'ailleurs très intrigué dès que j'ai entendu ces rumeurs. Et d'ailleurs, du coup, elle regarde Pelgar. Vous êtes le navigateur? Je n'ai pas de compétences particulières en navigation. D'accord. D'accord. Faudra que Dimir. Très bien. Eh bien, nous Mais si avons la nous personne. réquisitionnons un navire, est-ce que nous ne pouvons pas réquisitionner son équipage? Oui, c'est sûr. Bien entendu. Bien entendu, il faut recruter un équipage en plus. Partons là-dessus. Je ferai ce qu'il faut pour que dès demain matin, vous puissiez partir dans un bâtiment que nous allons
réquisitionné avec tout son équipage, y compris le capitaine, que nous allons briefer comme il se doit pour qu'il, comme vous, garde la discrétion de ce qu'il se passe. Demain matin. Oui, demain matin. Non. Vous êtes riche, vous avez une grande maison. Vous allez immédiatement dépenser tout l'argent que vous avez pour nous fournir le meilleur bateau que vous pouvez. On ne va pas laisser une enfant aux mains de pirates, même si je ne sais pas exactement ce que c'est un pirate et que j'ai jamais pris de bateau. Ce qu'il faut, c'est protéger les enfants. Tu vois Jacine qui met une main sur ton épaule, fermière. Je suis d'accord avec toi, mon ami, mais... Mais il n'y a pas de mais. Ils sont riches. Ils ont une grande maison. À quoi ça sert d'être riche et d'avoir une grande maison et plein d'argent si c'est pour faire « Oh non, on va laisser une fille potentiellement... » Je suis persuadé que Lady Dubourg va faire le maximum pour affréter un navire. Et je te rappelle que moi de même, j'ai un camp avec des hommes qui s'installent actuellement. Alors nous parlons. Il faut moi aussi que je fasse... des choses pour préparer notre départ, infirmière. Ceci étant, du coup, toi qui as posé la main sur l'épaule de infirmière, elle pose la main sur ton avant-bras et te dit, ceci dit, je pense que je suis, en fait, je suis tout à fait d'accord avec votre compagnon qui me dit de me presser. Je pense qu'il a raison. Et sa réaction risque d'être largement contaminante si les gens de la ville étaient au courant de ce qu'il se passait. Et c'est dans cette crainte que je me suis empressé de vous quérir, Jacine. Donc si vous pouvez partir dans l'immédiat, eh bien je veux bien faire les choses dans l'immédiat. Par contre, désolé, mais du coup, elle te regarde par mien. Mais justement, notre richesse nous permet de pouvoir réquisitionner un bateau sans avoir besoin de déverser la moindre petite piécette. Il faut protéger les enfants. On n'a pas pu protéger les enfants. On n'a rien pu faire. Et tu vois que vraiment, Farmer, il l'écoute même plus et il marmonne. Pourtant, vu comment elle te l'a dit, elle cherchait vraiment à te tacler à fond. Ouais, mais Farmer, il n'écoute pas. Farmer, il a un vieux trauma qui est remonté, là, tu vois. Et je pense que c'est clairement visible, il ne le cache pas d'ailleurs. Dans combien de temps pouvons-nous acquérir ce navire ? Dans 3 heures. Très bien. Je vais envoyer mes hommes pour nous retrouver au port. Et en attendant, j'aimerais discuter avec ce capitaine de navire venant du nord qui a rencontré le bâtiment pirate. Ok, très bien. Je vais vous les faire demander dans l'immédiat le temps pour moi de me diriger vers le port et de vous l'envoyer. Je vous l'envoie directement dans votre camp. Oh non, on va se rapprocher du port également. Mes hommes nous y rejoindront. Très bien. C'est encore une fois une bonne décision. Du coup, je vous invite à partir progressivement de la chambre, puisque vous n'allez pas tous pouvoir partir tout de suite de la chambre. Bah, du coup, je commence à partir et je donne des instructions à mes hommes en disant qu'il faut remballer le camp au pas de course et qu'ils ont 2 heures pour me retrouver au port. Je sors et je me mets directement moi sur le port et j'attends et je tape du pied. Et d'ailleurs, en sortant, vous avez quelques enfants qui accourent vers Margaret et qui lui dit elle est où, Brunichild? Elle est où, Brunichild? Elle est où, mamie? Elle est où? Et puis, du coup, Margaret répond, elle,
Elle est partie se promener encore quelques jours et elle va revenir. Je vous le promets. Bon, vous le savez, c'est un mensonge. Elle n'en sait absolument rien si elle va revenir ou pas. Vous, du coup, Pelgar, qu'est-ce que tu fais, toi? Je pense essayer de suivre Jacine pour rencontrer les pirates, enfin les personnes qui ont croisé les pirates. Tu vas expliquer à tes hommes tout ce que tu as besoin d'expliquer. Jacine, tu as du coup Pelgar qui te suit. Je sais pas si tu lui dis quelque chose en chemin. Comme ça, vous venez de la mer? D'où venez-vous, Valgar? Comme je vous le disais tout à l'heure, je viens de Silkenheim. On est d'accord, c'est un territoire que je connais pas, Claude. Fais-moi un bon jet d'histoire, un très bon jet d'histoire. Claude? Ah, Oui, on pardon. n'entend pas, Claude. Fais-moi un très bon jet d'histoire. Alors, j'aime pas quand tu dis très bon. Voilà. Jacine, c'est pas celle qui a l'histoire. Mia non plus, d'ailleurs. Non. Oui, mais je me suis dit, on sait jamais. Si tu fais un 20, je te le dis. On sait jamais. C'est arrivé une fois avec une petite boule magique ou que j'ai dû te. Bon. Hein? Ah oui, c'était pas là. Voilà. Non, tu ne sais absolument pas ce que c'est que ces guérims. Bah écoute, face à son incompréhension, je vais plus détailler et expliquer qu'il s'agit d'un territoire elfe qui se trouve en Pangée, une contrée bien lointaine à l'est d'Alarion. Oh. Et comment avez-vous entendu mon nom? Claude, je sais plus comment je l'ai entendu. Alors déjà, dans ta mémoire, Jacine, quand il te dit Pangée, il te parle d'un territoire qui vient d'une légende que tu as entendue très jeune, d'un territoire très lointain que tu as certainement entendu par hasard. Et pour toi, c'était un pays imaginaire. Bah, visiblement non. D'après ce que te dit ce charmant jeune homme. Et comment tu as entendu parler de Jacine? On t'en a parlé avant de partir, puisque on t'a dit que c'est cette personne qu'il fallait aller voir pour te conduire vers ta quête. Ouais, donc je lui réponds que j'ai entendu parler de vous lorsque j'étais en Pangée. On m'a dit que c'est vous qui dirigiez une armée, n'est-ce pas? Alors attends, parce que du coup, j'avoue. Alors je sais pas si tu le diras, tu me diras si tu le dis ou pas. Parce que bon, tu as eu un petit peu plus de détails que quand tu étais là-bas. Et effectivement, il se pourrait que Jacine soit un petit peu perturbée par ce type de réponse. Donc tu choisis, tu le dis ou pas. À Silgedrim, on a entendu parler de cette générale. D'armée. Alors, on t'a bien dit un hein, général d'armée hein, d'Alarion, même si ce n'en est pas une, visiblement, de ce que tu vois, toi. Qui, de la part d'individus qui sont apparus par hasard chez les elfes, ou du moins, a priori par hasard, des individus assez étranges. Qui semblaient être des gardiens temporels et qui se seraient du coup mis à expliquer au grand maître elfique qui t'ont expliqué les choses
que cette Jacine avait la ferme intention de traverser la frontière du Nord et que cette personne était incontournablement la bonne personne pour atteindre ton objectif. Ouais, on avait parlé de ça. Ok, est-ce que je lui dis? Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question. Ouais, j'ai réfléchi. Alors, je vais pas répondre à ta question parce que pour l'instant, j'attends de voir si tu veux ou pas reformuler. On va dire, je suis arrivé en disant que je souhaitais partir au nord. Ça me paraît assez logique de continuer de toute façon. Pelgar est quelqu'un d'assez honnête, donc il n'y a pas de raison qu'il cache beaucoup de choses. Ouais, bah, ce qu'a dit Claude, je le retransmets en disant que c'est comme ça que je te connais. Donc, tu parles des gardiens temporels? Non, bah, je vais peut-être rester un peu flou sur qui a dit ça. Je vais dire que en Silgedrim, on sait que tu vas, enfin, tu comptes franchir les montagnes, etc. Alors, j'avoue que ma chère Jacine, expliquée comme ça, je te souhaite bon courage pour savoir comment tu le ressens. Bah, Savoir que déjà, elle est l'autre. un peu surprise que son nom ait traversé les contrées d'Alarion. De plusieurs territoires d'ailleurs. Tu vois qu'elle s'arrête un instant et elle te demande d'approcher de Atis, là où, enfin, de t'approcher d'elle. Allez, je m'approche. Comment avez-vous entendu parler que je souhaitais aller vers le nord, compte tenu que c'est une information tenue secrète? Je pense que je peux vous retourner la question. Comment se fait-il qu'une information secrète puisse parcourir des contrées entières? Qui a fait une petite moue. Effectivement, cela signifierait qu'il y aurait des traîtres parmi les généraux. Garrot qui va prendre cher. Et je vois qu'elle regarde tout le monde, du coup, Garrok, Farmiard. Garrot qui te regarde totalement incrédule. Farmer, il est pas là, il est au port et il fait les 100 pas. On Il attaque le est en train d'arriver hein, au port, ce chemin-là. Très bien. Bah écoutez, je vais devoir en référer à mes supérieurs d'informations sensibles qui circulent, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. Je vous souhaite aussi. J'aurais trop envie d'être vraiment dans la tête de Jacine pour voir l'accident que ça fait dans la tête de Jacine. Bon, en fait, ouais, là, elle se pose des questions parce qu'elle se dit, elle a laissé des hommes, des généraux sur place, et elle espère que les traîtres n'est pas parmi eux. Bah, surtout qu'en vrai, des informations que Pelgar a. Finalement, même tes généraux, il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant de ces informations. Bah, c'est pour ça. Donc c'est quasiment une violation de tes pensées que tu es en train de subir. Du coup, elle va rien dire sur le reste du chemin, elle va être pensive. Voilà. Est-ce que tu peux me faire juste un jet d'intelligence juste pur? Intelligence pure? Ouais. Du coup, certainement que sur ton chemin,
au moment où du coup tu l'as pensé, tu as dû tomber sur quelqu'un qui est rentré dans ta tête. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose dont tu as les attributs, si tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce qu'il s'agit d'un télépathe qui est passé dans le coin, voir peut-être ces individus étranges que vous avez rencontrés sur la route? Voilà. Telle est la question. Est-ce que le traître ne pourrait pas être celui qui t'a fourni les attributs? Il est mort. Donc, normalement, non. Mais en chemin, il va dire, que pensez-vous des loups, Belgar? Excuse-moi, j'ai pas bien compris ta phrase. Quelles sont votre vision par rapport aux loups? Les loups. J'ai pas d'avis particulier sur les loups. Si j'en rencontre et qu'ils ne sont pas amis, je pense que et pas de mal, je ne les comprendrai pas. Je pense que c'est là tout le fond de ma pensée. Très bien. Est-ce que cette question a un rapport avec notre rencontre? Pouvez-vous préciser la question? Est-ce que je dois craindre quelque chose en particulier qui soit en lien avec les loups ou est-ce que les interrogations que vous avez sur la raison de ma venue ont un lien avec les loups? Non, 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 vous inquiétez pas. Bah, pour l'instant, je ne vous connais pas, je ne peux divulguer des informations sur le sujet, mais voyons ce que vous valez en combat et si nous retrouvons Brunichild, nous pourrons, au fil de nos voyages, discuter. Oui, je comprends. Tiens, d'ailleurs, je crois que je vois Farmyard d'ici. Il a l'air impatient. Hâtons-nous de le rejoindre alors. Et tu vois que elle donne un coup à Atis et du coup il y va un peu plus rapidement. D'ailleurs, il y a une forte odeur de poisson qui se dégage d'Atis. Du coup, vous rejoignez Farmia avant que du coup on vous ramène les autres capitaines. Je sais pas si vous parlez ou pas. Armia, Oui. bien arrivé. Oui. Ah, tu peux repérer la zone. Six bateaux, trois sont partis. Quatre sont partis par là-bas, trois sont partis par là. Deux sont arrivés. 26 hommes sont sortis. 273 caisses. Environ 8,5 mètres de corde. Je regarde Pelgar quand il dit ça. C'est De un mes rapport très très complet. faune à peu près normale, poisson beaucoup plus gros que dans la rivière, oiseau bizarre tout blanc qui nous agresse dès qu'on capture un poisson. Comment Juste la vie pardon. une Je vais le dire en plus. Allez-y, allez-y. Non mais enfin, j'imagine que tu cherchais à me sonder un peu et comprendre, enfin, et voir comment je réagissais à ce type de... C'est ça. C'est tellement farmière, c'est tellement Ouais. farmière pour toi. C'est ouais, c'est ça. Moi, je...
Je source, j'ai un sourcil qui se lève par moment pour essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, mais tu ne détectes sur moi aucune un peu de l'indifférence, hein, pas vraiment de stupéfaction de la façon dont il s'exprime. Et avez-vous repéré une taverne, mon cher fermière? Et là, tu vois que mon regard devient noir. Je ne vais pas commencer à m'intéresser aux tavernes alors qu'il y a une petite fille en disparition. Et tu vois que je baisse la voix pour pas que les gens entendent exprès. On n'est pas là pour ça. Je suis d'accord avec toi, Farmia, mais partir en quête l'esprit vide, l'estomac vide, va pas nous faire partir. Je prends mon arc, je tire une flèche dans l'eau et il y a un poisson au bout et je le ramène. On peut se nourrir comme ça. Et dans la manière dont il tire, dans la manière dont... Pour toi, Pelgar, c'est plus que troublant. Oui. Tu vois Jacinthe qui descend de Atis, qui murmure quelque chose à l'oreille en lui disant va te nourrir dans la mer. Il veut un poisson, le grand Atis? Oui, il va. Le temps que tu dis ça à Jacine, tu remarques que Atis Il est déjà en train de chasser. il a déjà plongé. C'est un bon chasseur. Oui, et ça perturbe beaucoup les gens autour, hein, parce que c'est la première fois qu'ils voient un animal foncer dans l'eau, tête bêche. Bien, allons nous restaurer, Pelgar. Je vous suis. Avec plaisir. Sachant que du coup, vous allez voir arriver avant que vous partiez trop loin. Vous allez voir du coup arriver un garde de la maison de Bohan qui va arriver vers vous avec ce qui semble être un capitaine de bateau, puisque du coup il a un tricorne sur la tête. Du coup, le garde arrive devant toi, Jacine, et demande du coup à son compagnon de route de se présenter. Ce dernier On va... est d'accord que j'ai toujours la capuche, hein, je ressemble toujours à la mort. Oui, mais bon, maintenant qu'ils le savent, je m'appelle Sipos. Et je suis ici sur la demande de Margaret Bohan, suite aux informations que j'ai pu avoir et que j'ai données à Tudimir. Il paraît que vous souhaitiez m'entendre. Fait. Nous avons quelques questions sur le type de navire, son armement, ses hommes, ses garnisons. Du coup, le garde qui est avec vous, le garde Bohan qui est avec vous, va faire en sorte de vous pousser dans un endroit où il y a le moins possible de circulation autour de vous, de façon très subtile. Enfin, du moins, il va essayer de le faire de façon très subtile pour vous mettre le plus loin possible des oreilles indiscrètes. Oui. Du coup, tu lui as posé une question? Bah, je lui ai demandé qu'il nous décrive le bâtiment, à quoi il ressemblait, son armement éventuellement s'il l'a vu, le nombre d'équipages qu'il a vu, les cargaisons s'il l'a vu, enfin. Eh bien, au vu des dernières informations, tu vois qu'en même temps qu'il est en train de parler, il est en train de fouiller dans ses poches. Au vu des dernières informations que j'ai eues, je me suis mis à griffonner le drapeau du bâtiment. Du coup, il fouille, et puis il te tend un parchemin où qu'il te détend. Alors du coup, le garde se met en écran, histoire que personne ne voit.
Pendant qu'il te le montre directement sous tes yeux. Voilà, il s'agit de ce drapeau. Et du coup, tu remarques effectivement une tête de mort avec en dessous un volcan. Et une sorte de croissant qui entoure le crâne. Je prends le parchemin. Et du coup, cette tête représente leur qualification, c'est-à-dire le pirate. Ce volcan que vous pouvez voir avec cette forme de croissance est la forme de l'île de Kypritos. Ce qui est unique du coup dans notre monde et qui de loin revendique clairement leur position géographique. Ceci étant, les informations que j'ai pu donner à Tudimir, nous étions bâtiments voisins de ce bâtiment. Au début, nous n'avons pas trop fait attention, car des bateaux pirates, il y en a qui passent ici et qui n'ont pas forcément de problèmes conséquents à mettre en relief, ou du moins à énumérer, à mettre à connaissance de la dame Bohan. Ceci étant, pour cette fois, nous avons vu une petite silhouette qui était emballée dans une sorte de couverture. Certainement que cet individu ne savait pas où il allait. Du coup, il était aveuglé et emballé. Ceci étant, cet individu était de petite taille, certainement de type nain, d'où le fait que lorsque j'ai été boire un verre, j'ai compris que Théodémir était inquiet suite à la disparition de la petite fille. Information qu'il ne devait pas me dire, mais qu'il a judicieusement communiqué à la bonne personne, puisque du coup, je pense que c'est bien la petite Brunichilde que j'ai vue. Et ce bateau, de base, partait tout ouest. Mais j'ai entendu dire par des camarades à la taverne que ce bateau avait continué à faire ses apparitions au niveau un petit peu plus au nord. Et certains m'ont dit qu'en fait ce bateau avait fait toute la côte du sud au nord et s'amusait largement à piller ce qu'il trouve, profitant bien entendu que la flotte du d'Alarion soit en train de s'occuper de mieux que nous. Et bien entendu, c'est assez facile du coup de piller les gens lorsque le roi se moque de nous. Le roi se moque de vous. Oui, nous avons. Nous sommes censés avoir laissé à la marine du roi largement de personnel capable de servir à bord d'un bâtiment. Et nous les avons envoyés dans l'espoir que une flotte digne du Norvène soit représentée sur notre territoire. Or, il s'en est que notre cher roi Calidan a été envoyer cette flotte avec ses smites pour une guerre qui ne nous concerne pas au sud. Donc, à quoi bon croire en un roi qui se moque de nous? Je vois. Mais bref. Nous sommes là pour discuter d'une petite fille et pour vous dire que l'incompétence du roi fait que ben, vous voici présent pour courir
après un bateau pirate qui est parti vers sans doute l'ouest ou le nord-ouest. Et bien, je vous souhaite bien du courage pour retrouver ce bateau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui en poser. On part quand? Le navire sera prêt. Eh bien, attendons. Faisons connaissance avec notre nouvel ami Belgar, c'est ça? C'est bien ça. Autour d'une collation? Tout à fait. Est-ce que nous en avons fini avec ce garde? Oui. Si nous devons accoster sur les côtes un peu plus au nord, comment sera notre accueil? Devons-nous indiquer le nom d'une personne ou d'une organisation pour On travaillera beaucoup plus efficacement si on est discret. C'est une chasse à partir de maintenant. Et je suis très fort à la chasse. Du coup, le capitaine te regarde, Farmia, te déshabille, te regarde. Tu es du Norven, toi? Ah non, moi je suis de la forêt. Ouais, tu es du Norven. Ben non. Bon, bref. T'es encore plus en vrai que je ne croyais. Bon, bref. Nos chers Et amis... pourquoi tout le monde semble me reconnaître? Je sais très bien qui je sais très bien d'où je vais. Nos chers compagnons ont besoin d'être changés. Leurs armures, tout ça, ça risque d'attirer l'attention sur ce qu'ils sont. Il faudrait que tu les transformes en ce que tu es. Oh, pour ça, c'est vrai, il n'y a pas de souci. J'ai également des tenues plus civiles à ma disposition. Tant mieux, car les militaires, quels qu'ils soient, sont autres que norvénois ou même norvénois, sont considérés comme des traîtres en puissance, donc assez mal vus sur le territoire. Et je ne vous parle pas de ce qu'il y a au-delà, au nord, qui eux vous prendront pour des ennemis. Donc oui, changez-vous en norvénois, vous passerez pour d'éventuels commerçants ou comme potentiels marchands. Et là, vous aurez une chance de passer. Eh bien, merci beaucoup pour vos conseils. Mais de rien. Et puisque vous avez éveillé en moi l'envie de boire également une collation, je vous invite non pas à m'accompagner, me suivre sur les baskets, mais à me suivre plutôt à distance, j'essaierai de faire parler la population de la taverne pour que vous en sachiez davantage. Mais je vous en prie, rentrez dans la même taverne que celle dans laquelle je vais rentrer. Bien, ma foi. Moi, de toute façon, je veux connaître Pelgar. On va parler autour d'une petite collation. Sachant que quand le mec vous dit « Suivez-moi dans la taverne qu'il va choisir », effectivement, il plaisante pas. Il choisit la taverne la plus remplie qu'il y a dans le port, histoire d'avoir un maximum d'oreilles attentives, bien sûr, quand il va commencer à parler fort. taverne qui est, ma foi... assez garni au niveau du bar, et d'ailleurs c'est au niveau du bar que ce dernier va s'accouder. Il va vous jeter par moments des petits regards quand vous allez arriver dans la taverne pour que vous preniez place autour du bar également, pas loin. Juste avant de rentrer, je cherchais un endroit discret et sombre et
Et je me changerai pour enlever mon uniforme et mettre mes habits civils sombres que j'avais utilisés précédemment. Moi, en vrai, j'ai juste l'air d'un elfe plus que lambda. J'ai même une simple armure de cuir. Par contre, je vais pas laisser mon arc. Je garde mon arc et mon carquois. Mais vu que j'ai mes lapins accrochés à ma ceinture, d'ailleurs, je vais m'en occuper tout de suite. Donc, sur le bar, je vais commencer à écorcher mes lapins. Et toi, du coup, Pelgar, Bah, quant à moi, ça va prendre un petit peu de temps, mais je pense que je vais aussi retirer mon armure. Le problème, c'est que il va falloir qu'on que t'aide? je la, je la... Ah, Qu'on ben moi, m'aide. je veux bien vous aider, monsieur Pelgar. Ouais, écoute, avec plaisir, Farmia. Et donc, je sais pas après si d'armure, on la laisse. Il y a des personnes qui ont ton jacine là qui pourraient nous enfin la garder Bon. Je crois que mes hommes sont en train de ranger le camp, ils sont pas encore arrivés malheureusement. Ils sont pas Ok. là. Du coup, Bah mais ils arriveront. vous allez avoir, je sais plus quel nom ça, mais un endroit particulier pour le faire. Et étant donné que vous avez des armures assez importantes, on vous mettra une pièce qui sera fermée pour éviter qu'on vous prenne vos armures. Très Parce que en vrai, il n'y a pas beaucoup de gens ici qui portent une armure, donc des pièces vides où vous pouvez mettre vos armures, il y en a au moins une. Bref, et puis surtout, il n'y a personne qui a le niveau d'armure qu'a Pelgar, je suppose. Exactement. Faut être réaliste. Ça brille au soleil, ça nous aveugle. Non! Et dans le bar dans lequel vous êtes, bien entendu, c'est pour ça qu'il est bien garni. Vous voyez des tablettes, des étagères derrière le tavernier qui sont garnies d'innombrables rhums arrangés de toutes les saveurs possibles et imaginables. Il y en a même certains qui éveillent un petit peu votre curiosité. Et du coup, ce tavernier qui d'ailleurs va vous venir vous dire, vous n'avez que l'embarras du choix. Que choisissez-vous? Bah, le choix. L'embarras. Non, je crois pas que j'ai compris. Bière? Voilà, ou votre spécialité, peu importe. Un truc qui se boit. Alors, si vous voulez une spécialité qui se boit, ça ne sera pas une bière, mais bien entendu, je peux vous proposer ce rhum arrangé des îles. Et qui se mange aussi. Nous aimerons avoir un petit repas également. Si on pouvait avoir le lapin que j'ai laissé par là-bas. On le cuit avant. Oui. Oui. On n'est pas des sauvages. N'oubliez pas que vous avez Garrot qui vous suit, hein. Oui. Du coup, C'est pas un lapin qui va lui suffire, hein. Il va y avoir Il va y avoir le tonneau de rhum qui va partir. Quand vous dites vous n'êtes pas des sauvages, tu as Garrot qui va dire oh, moi je veux bien l'avoir cru, hein, ça me gêne pas. Hein. Oh bah, tu veux l'autre lapin que j'ai à ma ceinture, Garrok? Ouais, vas-y, on va. Bah, je lui donne. Comme ça, au moins, pendant que vous vous attendez, moi, je vais me régaler. Ma chasse d'hier. C'est pas grave. Plus c'est fermenté, mieux c'est. Garrok. Oh mon Dieu. Puis je vais prendre une petite pinte et. Et du coup, Pelgar, vous venez de la mer. Pas tout à fait, en tout cas, je l'ai traversé pour venir jusqu'ici, oui. Et donc vous, Farmia, vous venez de la forêt. Ça fait longtemps Oh. que vous êtes venu de cette forêt? Je suis sorti de la forêt, j'avais 18 ans.
Et je suis resté un an dans la ville. Et donc, ça fait 19. Et c'était il y a que quelques semaines que j'ai rencontré Dame Jacine. Donc, j'ai 19 ans et quelques mois. Ouais, très bien. Et vos souvenirs dans la forêt, c'était quoi? Triste. Vous en avez beaucoup des souvenirs? Ah oui. Ça remonte jusqu'à où? Jusqu'à depuis mes 3 ans, comme tout le monde à peu près. Ah oui, d'accord. Non, je me demandais si vous avez que des souvenirs très récents. Ah bah, les souvenirs les plus récents de la forêt, ils sont pas joyeux, hein. Que s'est-il passé? Je l'ai pas dit à Jacine alors que ça fait 2 semaines que je voyage avec elle, je vais pas vous le dire à vous. Oh, je croyais qu'on voulait apprendre à se connaître. Tu vois que je touche la pierre rouge que j'ai à mon cou, tu vois que c'est exactement la même. Je vais vous dire la même chose que j'ai dit à Farmia, Belga. La confiance est quelque chose qui se construit avec le temps, et il est tout à fait normal que pour l'instant nous conservions nos différents secrets mutuels. Oh oui, simplement, il faut Après, savoir lui, il où vient de aller. la mer, du coup, c'est moins probable que ça soit lui qui. Donc, j'aurais plus tendance à vouloir lui faire confiance à lui. Parce qu'il a moins de chance, techniquement. De chance de. Ouais, mais du coup, je vous le dirai à vous. Mais il vient également d'un royaume, si je n'abuse pas Sigrid, c'est cela? Oui, mais il vient de la mer. Oui. Oui, en effet. Et du coup, il. Enfin, à moins que quelqu'un soit venu de la mer pour aller spécifiquement dans la forêt. Pour y faire quelque chose que l'on ne saura donc pas tout de suite. Bah après, moi, ça me gêne pas d'en parler, puisque de toute façon, j'ai pas la connaissance, du chemin. Donc, au final. Je ne suis qu'un porteur, je ne suis pas un connaisseur. À chaque fois que je dis porteur, tu vois, je touche ma pierre. Je me retourne vers Jacine en posant ma main devant ma bouche et en me demandant est-ce que ça vaut bien le coup de continuer ou pas à creuser, tout de suite, en tout cas. Ne me semble pas prêt à s'ouvrir. La fleur est encore trop jeune. Tout le monde est mort. La fleur n'est pas si jeune que ça. Voilà ce qui est arrivé à mon village. Enfin, tout le monde, non. On a encore 8. Et de quelle manière sont-ils morts? Aucune idée, on n'était pas là. Voilà qui est intéressant. Et les corps sont disparus? Comment Ah avez-vous non, su qu'ils étaient non, 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 morts? non. Les corps étaient. Je pense qu'ils s'étaient venus. Soit pour la pierre, soit pour le chemin, mais après. Ils pouvaient pas obtenir grand-chose. C'est Tu vois compliqué. qu'elle plisse les yeux quand tu parles de la pierre ou du Et chemin. chaque fois que je touche la pierre, je touche ma pierre. Mais ils sont morts avec des brûlures, avec la magie, avec une épée, avec une Alors, flèche. je pense que c'était des soldats, ça avait l'air d'être très, comment dirais-je, Ordonné. organisés comme attaque, des peu de traces que j'ai eues, mais il n'y avait pas de traces sortant du village. Et. 2 secondes, je regarde ma backstory pour pas dire de conneries sur le nom. Tac, tac, tac. Je l'ai noté, je l'ai noté, je l'ai noté.
là. Hop. Qui le... Je suis sûr. Ça peut pas être là. Hop, tac, tac. Ouais. Et Adlana, elle a utilisé son pouvoir divin accordé par les pierres, et on a senti un résidu magique. On pense que ils sont arrivés par magie et ils ont dû vouloir accéder au chemin, mais la pierre ne restituait pas les souvenirs, vous comprenez? Donc je pense qu'ils ont massacré tout le monde. Mais de quel type de pierre parlons-nous? Une sorte de tu vois, grand... tu vois qu'elle pose cette question en regardant Pelgar comme si elle l'interrogeait également du regard. Pelgar fait mine de découvrir absolument toute l'histoire. De toute façon, il connaît pas cette histoire. Non. Mais de toute façon, ne laisse rien transparaître du fait qu'il cherche à comprendre si le farmiard qui est face à lui a vécu des choses, a perdu la mémoire, est bien le même, etc. En tout cas, voilà, il cherche à camoufler en tout cas tout ça pour ne pas attirer l'attention. Surtout que l'histoire de Adlana te ressemble beaucoup à une Ilana. Mais bon. J'ai mis Ilana, moi. T'as dit Adlana. Oui, c'est dans les noms que j'ai, moi. Adlana, elfe femelle, 19 ans, famille originelle, porteuse de pierre bleu clair. Et du côté de Pelgar, il connaît une Ilana. Ce qui, au niveau de la prononciation, n'est pas si loin que ça. Ah, d'accord. Enfin, moi, je sais pas, mais moi, c'était Adlana. Dans ma bac. C'est une grosse pierre, mais grosse, avec quatre encoches pour les petites. Et des inscriptions. Pourquoi? Aucune idée. Personne n'a jamais réussi à les déchiffrer. Enfin, peut-être qu'ils savaient avant, mais l'histoire n'est pas très précise. Et la pierre a disparu, je présume. Non, la pierre était toujours là. Mais donc aujourd'hui, il y a une pierre... Elle ne sert à rien tant que nous n'avons pas les nôtres. Et que les connaisseurs. Il y a aussi des empreintes de main pour que les connaisseurs absorbent le chemin. Et c'est bien un chemin pour aller où? Au temple. Le chemin est séparé dans les esprits. Quatre porteurs, quatre connaisseurs. Et un porteur ne peut pas être un connaisseur. Non. Et quatre originels et quatre arrivants. Deux porteurs originels, deux porteurs arrivants, histoire de les intégrer à la communauté. Fais-moi un petit jet d'histoire avec avantage, parce que tu viens de la région, comme tu viens de la région quand même. Et moi? Ouais, toi. Alors, histoire. Audreyville, tant qu'à faire. Ouh. Bah, tu sais que, effectivement, la forêt d'Ac, elle est dite un peu maudite, parce qu'il y a des gens qui rentraient dans la forêt et qui ressortaient pas. D'accord. Et là, tu vois, famille d'arrivants. Tu te dis, ah, il y a peut-être un lien. Je vois, mystère de plus au Norven. Et donc moi, j'étais dans ma taverne pour chercher
Le chef de guerre qui aurait pu envoyer des troupes magiquement dans mon village et je vous ai rencontré. Et maintenant, je sais que grâce au dire de cette très gentille madame qu'on a rencontrée, que le roi est une proche connaissance de votre famille. C'est très intéressant. S'il est responsable, je le tuerai. Le roi ? Bah, s'il a envoyé des troupes tuer tout mon village, oui, je le tuerai. Il n'a pas l'air aimé, de toute façon. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est aimé ou non. En tout cas, je présume que diriger un royaume, on se fait des ennemis et des amis. Oui, si vous le dites. En tout état de cause, si vous avez besoin d'aide pour rechercher ces hommes, hein, et que cela ne nous écarte pas trop de notre quête présente, je serais ravi de vous aider. Oh, vous en faites pas. Je les trouverai bien à un moment ou à un autre. C'est juste une grande chasse. Et puis, si jamais on tombe par contre sur un connaisseur, je ne pourrai pas lui parler. Je ne vais pas commencer à lui demander où est le chemin. Mais peut-être qu'un autre porteur est... Bon, ils ne sont pas partis dans la même direction parce que moi, j'étais parti vers l'ouest. C'est ça, hein ? Oui, l'ouest. Ça, c'est un mot que j'ai appris. Il n'y a pas longtemps. C'est elle qui me l'a appris. Tu vois que Farmière, il est peinté. En tout cas, la bière semble lui faire effet. Et c'est bien. Ça délie les langues. Ouais, et puis à côté, vous entendez du coup le capitaine qui fait le travail qu'il vous avait promis. C'est-à-dire que il se met, lui aussi, bah, il a profité que vous picoliez un petit peu entre guillemets pour faire la même chose et pour s'en servir pour parler fort. Oh les gars, il paraît, vous savez ce qu'on dit, il paraît que il y a ces satanés de pirates avec l'île au croissant là, qui est Pritos. Il semblerait que... Et puis du coup, les autres ne le laissent pas finir. Et vous apprenez que des 6 pirates, enfin des 6 autres personnels de marine, on va dire ça comme ça, de bateaux, beaucoup d'entre eux connaissent des histoires disant que ça fait depuis un mois que ça dure. Les raids contre certains petits ports de pêche. Ils s'introduisent dans les petits ports, violent et pillent tout ce qu'ils peuvent. Ça inquiète beaucoup les gens. Bon, alors, au niveau politique, effectivement, ils sont à charge du roi, bien sûr. Ils n'ont pas des pirates. Et... Il semblerait que c'est la première fois que les pirates s'attaquent à quelqu'un en plein cœur d'une ville. Puisqu'il semblerait que beaucoup d'entre eux aient vu effectivement une silhouette encapuchonnée, emballée dans une couverture. Donc ils sont, en fait, ils sont tous au courant. En fait, il y a une personne qui était emballée dans une couverture qui est montée sur le bateau. Sans doute de force, et ils sont tous là à l'air de dire comment des gens de Kepritos pouvaient être au courant que qu'il y ait un petit paquet intéressant à venir chercher ici à Jardal. Comment ont-ils été mis au courant? Personne ne sait. Enfin, en fait, ils se bafouillent un petit peu. Parce qu'ils se demandent mais comment ils le savaient, ils ne parlent pas notre langue, et en fait si, ils parlent leur langue. Donc il est évident qu'ils ont eu des informations, mais alors de qui? Ils se regardent tous, l'air de dire qui c'est qui a été capable de vendre une information comme ça. Apparemment personne. Par contre, ce qu'on se dit, c'est que très certainement que cette personne qui a été encapuchonné et pris de force ici
doit certainement être une prise pour être revendu en esclave au-delà des montagnes du Nord, du côté du coup du Grand Nord. Farmer va demander s'ils ont une idée de la taille du bateau des pirates. Ben ça, je l'avais demandé au capitaine. Hein. Ouais, mais pour confirmer, pour voir si ils, vis-à-vis de la taille, s'ils ont la place de faire encore quelques raids et qu'on pourrait pas aller au petit port de pêche qu'on estime être un peu plus loin ou qu'on n'irait pas directement plus au nord Alors, pour essayer de les capturer. c'est un bateau qu'ils te disent être largement mieux fabriqué qu'ici, dans le sens où le bois c'est du costaud. C'est vraiment un bateau massif en bois qui a une contenance assez grande, qui correspond à un bateau qui vient de loin. Ceci étant, par rapport à leur dire, si ça fait à peu près un mois qu'ils sont en train de faire des raids, sachant que les terres dans le coin ne sont pas pauvres, il y a de très grandes chances que très rapidement ils doivent aller revendre sa cargaison, a priori un petit peu plus au nord, puisque c'est pas le. C'est pas commun que les Ragaronais au sud s'amusent à négocier avec des pirates, ils n'apprécient d'ailleurs pas. Donc très certainement que les pirates, s'ils veulent revendre quelque part, ça sera certainement dans le nord, au-delà des montagnes. Et est-ce qu'on a la moindre idée d'une ville qui serait un tout petit peu plus au nord des montagnes, qui soit plus du coup dans l'Empire ou autre? Il n'y a aucune carte ou aucun voyageur qui aurait jamais exploré un peu par là-bas pour voir quelle serait la ville où ils auraient potentiellement le plus de chances de débarquer Il te regarde. pour revendre leur cargaison. Il te regarde. Comment te dire les choses? On voit bien que tu es du coin. Ça ne Non, fait je suis pas. de la forêt. Du coup, le capitaine à côté, il laissait tomber sur l'idée. D'accord. Des informations comme ça, tu n'en auras jamais toi seul. Il y a des secrets que seul un capitaine de navire doit garder précieusement dans ses poches. Et ceux de ses contacts au-delà des montagnes du Nord en est une bonne raison de garder les choses secrètes. Je ne te fournirai pas les noms des ports au-delà des montagnes, mais n'importe qui ici a ses adresses et pourra t'y conduire si tu le souhaites. Ça veut dire que les adresses des uns ne sont pas les adresses des autres. Ça, c'est un espoir que nous avions il y a belle lurette, mais désormais ce secret est pour l'instant gardé entre capitaines de navire. Mais entre capitaines de navire, nous devons bien avouer que nous avons à peu près les mêmes adresses au-delà des montagnes. Je suis étonné que, en tant que capitaine de navire, vous n'avez pas une organisation qui vous centralise tous. J'ai cru comprendre qu'un peu plus au sud, cela existait. Ah oui, vous parlez de ces organisations. Bon, on va passer ce grand territoire d'abrutis que l'on appelle l'Istad. Mais certainement que vous voulez parler des Talbanais qui sont, ou des Smithinois, enfin des Smites, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Qui sont effectivement très doués dans ce genre
commerce et d'organisation. Même si les Smites aiment bien être organisés par clan, comme nous. Non, 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 nous, on est plutôt individualiste et solitaire. Je dirais que c'est un petit peu mieux solitaire. Nous sommes, nous aimons bien gérer nos affaires chacun de notre côté, même si des fois nous nous retrouvons un petit peu trop souvent au même port. Mais nous aimons bien quand même gérer nos affaires chacun de notre côté. C'est la raison pour laquelle Ça a été quoi, vous, votre plus long voyage? Combien de temps vous êtes parti? Eh bien, nous sommes partis pendant un mois généralement. Un mois, très intéressant. C'est cette Jacine, pour vous êtes une experte des bateaux. À quelle vitesse ça peut aller un bateau comme ça? Ce serait intéressant de, sur une carte, savoir à peu près combien de temps. Un mois, ça veut dire minimum, vu qu'on ne peut pas embarquer beaucoup de nourriture dans ces bateaux. Une approximation sur une carte d'un endroit où il faudrait vendre des marchandises ou refaire le plein de vivres. Merci, c'est très intéressant. Tu vois qu'elle tourne un peu la tête quand tu lui dis sur le côté, quand tu lui poses cette question-là en disant mais qui vous a dit que j'étais experte en navigation? Bah, c'est vous qui m'avez dit que ça c'était des bateaux. Oui, Bah, de... effectivement, mais je n'en conduis pas et en général, je fais appel à un capitaine, mais tout comme notre nouvel ami Giru, je suis persuadé qu'il est venu avec un bateau, ce qui ne veut pas forcément signifier qu'il peut en conduire un ou en mener un. Bah, c'est compliqué chez vous. Oh là là. Il y a au moins deux marins qui sont hilars de vos conversations. Tu m'étonnes. Le chasseur du village, c'était moi. Point. Quand le chef voulait me faire des réflexions sur, oh oui, on n'a pas assez de trucs, on n'a pas assez de lapins, on a trop de trucs. Je chasse ce que je peux. Et puis il faisait confiance parce que j'étais le plus expérimenté à la chasse. Faut pas dire aux gens, oui, ça c'est un bateau si vous y connaissez rien. C'est deux marins qui sont communs. Deux marins qui, après vos discu enfin, pendant vos discussions, sont en train de te fixer, toi, Jacine, du regard, et te déshabiller du regard. Et te regardent vraiment pour se moquer de toi. Hein. Bah, du coup, je les regarde. Je regarde un et je fais. Vous savez, si vous ne tenez pas l'alcool, rien ne sert de me regarder. Et je regarde le deuxième et je lui dis, ne riez pas si vous aussi vous êtes aussi moche l'un que l'autre. Et je relance à tous les deux moquerie cruelle. Ah oui. Voilà, hop. Donc ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Tu vas les tuer, c'est tout ce que tu vas réussir à faire. Effectivement, il y en a un dont bah, les deux en fait vont avoir le nez qui saigne abondamment. Ils vont sortir précipitamment. Les autres vont pas comprendre ce qui se passe. En fait, ils ont pas compris du tout ce qui se passait, ni ce qui s'est dit pour le coup. Ni pourquoi ni comment. Et vous voyez Jacine qui remange un morceau de lapin. En tout cas, je dois bien avouer que pour une interrogation sur la logistique pour un départ en navigation, je pense que vous, du coup, en regardant Farmer, vous avez tout intérêt de éventuellement rejoindre un navire qui n'attend que vos compétences pour vous apprendre tout ça. Bon, mes compétences, moi, c'est surtout rester dans l'eau.
Grâce au pouvoir de la pierre, je peux rester très longtemps pour attraper les poissons. Je vois bien ce que je ferais dans un bateau. Eh bien, vous savez, si vous aimez les arbres, sachez que sous l'eau existent des forêts avec une faune tout aussi riche, voire plus que dans vos forêts. Ah bah oui, j'imagine bien. Déjà, la mer, c'est nettement plus grand que les petites rivières ou les lacs ou les marais qu'il y avait. J'imagine bien. Ça doit grouiller de vie là-dessous. Du coup, celui qui parle arrive vers toi avec un parchemin qu'il est en train de sortir. Et tu dis, eh bien, je te propose un truc. Du coup, il regarde un petit peu autour de lui. Il essaye de trouver un petit bout de charbon par là. Il en pique un sur l'oreille d'un autre. Il te dit, signe là et je me résous à te faire naviguer parmi les forêts de l'océan. Je regarde Pelgar quand pour rien ça. Je suis désolé, j'ai pas bien analysé ce que tu étais en train de dire, Claude. Et donc, je sais pas On est à quoi en train doit de réagir. m'engager. On Ah oui, m'engage dans d'accord. la marine de force. Vous savez, Fermiar, si. Ah, mais je ne sais pas lire. Je pousse le parchemin vers Jacine, parce que je sais qu'elle, elle sait. Et je lis le parchemin. Du coup, c'est un engagement à vie pour s'engager à bord d'un bâtiment de pêche du Norven, du coup, du nom d'un capitaine qui s'appelle Berio. Et qui s'engage, ce dernier s'engage à lui fournir logis, boissons et nourriture jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. L'engagement qui est fait à vie. Si tu signes. Est-ce que tu le lis à Vous... voix haute, tu me le montres, juste pour savoir. Jacine le lit. Et en fait, un point de quelques instants, et le papier fait comme le papier de magicien. Cet accord n'est en aucun cas en sa faveur, on est bien d'accord, capitaine. Oh, c'est bien sûr que si. Tout individu veut manger, boire à sa guise. Eh bien, je propose à notre cher ami de partir en voyage, voguer vers l'infini et les forêts innombrables que compte l'océan pour qu'il puisse en explorer tous les recoins jusqu'à la. Étonnamment, je ne pense pas que ce soit les poissons qui aient fait du mal à mon village, donc malheureusement, je ne pense pas que votre offre soit d'un intérêt profond pour moi. Bon, il Parfaitement. Bon, Capitaine. si j'ai un doute sur l'intérêt de pour Farmière de vous accompagner ou que ce soit. Capitaine Berrios, c'est bien cela? Berio, oui. Si je vous reprends à engager à vie des matelots qui ne savent pas lire, sachez que je m'occuperai personnellement de vous. On est bien d'accord? Et très clairement, j'essaie de l'intimider. Vas-y. Ça n'a pas beaucoup fonctionné, mais... Non, parce qu'effectivement, lui en résistance, il a fait plus. Mais ceci dit, c'est une intimidation qui est couverte par une menace. Donc, il te regarde fixement, il a franchement envie de répondre. Mais il se retourne et retourne boire son verre. Il a quand même un regard vers ceux qui sont partis saignés du nez par dehors. Et du coup, il boit son verre et il ne vous importune plus. Car voyez-vous, très chère fermière, l'accord qu'il vous a présenté, c'était un engagement à vie sur son navire.
Ah oui, c'est légèrement gênant. L'ai bien cru. Et puis surtout que vous n'aviez droit à aucune rémunération si ce n'est le logis, la nourriture et la boisson. En plus, la nourriture, si je la chasse pas, je vois pas l'intérêt. Je pense qu'il est temps que nous sortions de la taverne. Nous n'aurons pas plus d'informations et je pense que mes hommes ne vont pas tarder. Oui, et puis le capitaine de notre navire aura peut-être lui la langue un peu plus pendue si on lui demande quelle est la ville la plus proche qui serait en haut des montagnes. Je pense que c'est la prochaine destination. Ça ne sert à rien de longer la côte et de remonter les petits ports si le bateau est bientôt plein. Mais si on atteint la première ville après les montagnes, on aura peut-être plus de chance d'avoir au moins des rumeurs ou les pirates en train de décharger une cargaison, disons, précieuse. Et puis, il faut que je garde un œil sur Atis. Il serait de mauvais ton qu'il mange tous les poissons de ce port. D'ailleurs, quand vous commencez à porter vos regards vers l'extérieur, vous remarquez des délégations, enfin une délégation qui semble s'agiter dehors, qui porte à pas sa tête, mais pas loin derrière, Margaret Bohan, qui visiblement est en train de faire des allers-retours au niveau du port. Ah, je crois que notre hôte nous attend. Et du coup, je prends la direction de la sortie, en laissant Pelgir, en laissant les deux autres pays. Je règle la note et moi je voudrais essayer de trouver des potions magiques en ville. Est-ce que Claude dans là où nous nous trouvons, on peut trouver ça? Oui, des potions, ça existe. Alors attends, je suis en train de générer les prix. Compte pas sur moi pour payer, j'ai que 10 pièces d'or, je paye tout en lapin et c'est Jacine qui paye tout pour moi. Alors déjà, du coup, pour la boisson, tu auras payé pas grand-chose. De l'ordre de 2 PA, 2 pièces d'argent. Ouais. Et ensuite pour les potions. C'est des potions de quoi du coup? Si tu en as en particulier que tu cherches. Poisson de forme majeure. Tu me dis le prix à l'unité et... Je te dis le nombre. Supérieur. Supérieur, est-ce que tu vas jusqu'au soin excellent? Je pense que c'est ça que tu veux, les soins excellents. C'est les potions qui font 8 des 4. Je sais pas, c'est quoi le tarif de ces potions-là? Te dis ça tout de suite. Alors, hop. Lis-moi ma fenêtre que je puisse mettre ça sous les yeux. Oh, des cacahuètes. Hop.
Il y a une petite réduc. Une petite réduc. Tu vas me dire, moi je vais te le dire, tu vas me dire, tu te fous ma gueule, mais bon, ça va. Hop. 2800 pièces d'or. La potion. Est-ce que tu es partant pour les potions là ou est-ce que tu reviens aux potions en dessous? Ah, oh, pardon, je suis en train de parler, c'est vrai que je suis en push to talk. Du coup, je te disais, il y en a pour 2800 euros la potion. Excellente. Ouais, non, bah, j'ai pas du tout de quoi payer ça. Est-ce Non, que non, il me faut de la... tu peux prendre au-dessous qui sont soit les potions de soins supérieures, soit les potions de soins sont encore en dessous. Les soins. J'ai 150 gold. Oh là là, le riche. Ouais, donc je pense que tu iras un petit peu plus dans le courant, quelque chose me dit. Celle-là, tu vas les avoir pour 60 pièces d'or, la potion. Ok, donc j'en prends deux. Ok. Et c'est des potions qui font quoi? 4d4 plus 4, tu fais 4 plus 8. Bonne question. Elles font 2d4 plus 2. Ok, let's go. Donc, il me reste 29 gold. Hop. Donc c'est celle à 2d4. Ok. Et je rejoins tout le monde le plus rapidement possible une fois ceci effectué. Du coup, Moi j'ai plus de lapin pour payer ma note, du coup Non, bah je j'avais reste. payé pour tout le monde, hein. Oui, je l'ai fait payer pour tout le monde. Monstre. Et étant donné que vous avez mangé vos propres, enfin les propres lapins que tu avais amenés, C'est des économies, hein. oui, mais du coup tu peux rien payer, enfin bon, bref. Bon, bah, de toute façon, moi, je ne paye rien depuis. On va dire que c'est un retour sur C'est investissement efficace. ça. Et Jacine, elle a vu le farmer à la fin. Allez. On va lui payer les trucs parce qu'il n'a pas l'air. D'ailleurs, vous aurez remarqué que Garrogue, de son côté, après avoir sucé les moindres os, à peine quand vous sortiez de la taverne, jettera. Les os en rab, elle les jettera au pied de la taverne de façon totalement Et il dit vandalique. j'ai faim en sortant, c'est sûr. Non, il te fait une petite tape farmière au niveau de l'épaule et te dit Je décolle sur 8 mètres. merci mon gars, j'ai bien mangé. Comment agissent les gens face à Atis qui se balade dans le vol, hein? Alors, Atis a trouvé un poisson qu'il qui est en train de manger sur le quai. Les gens le regardent comme un spectacle vivant, beaucoup plus que le fait qu'il y ait la délégation de la dame de Bohan qui circule. Donc, ça vole la vedette à Madame Bohan. C'est pas plus mal en même temps. Ouais, pour l'instant, je vais le laisser tant qu'il prend tant qu'il vole la vedette et on va aller retrouver la dame de Beau. D'ailleurs, tu auras sans doute un peintre qui aura mis une toile vite fait devant la situation et est en train visiblement de peindre Atis en train de manger le poisson. Ok. J'ai pas eu de nouvelles de ma mère ou de la confrérie. Hein. Ah, si, alors attends, parce que du coup, faut que je Et ou des deux. te MP.
J'essaie de me rappeler les questions. Donc déjà, je vais te donner un nom. Okay. Donc ça, c'est de la confrérie. Oui, ça, c'est ta mère. Quoique aussi. Les deux messages là? Aussi vite. Ouais, si, aussi vite que ça. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre comme info? Voilà. Je crois que j'ai dû oublier quelques questions que tu m'as posées. Je ne vais pas me les remettre. Et vis-à-vis de la confrérie, j'en ai pas encore. Ou j'en ai pas eu. Si la première réponse que La j'ai. première, ok. Okay. Je pensais que tu allais me proposer autre chose, mais... Donc oui, il te l'envoie aussi. Ok. Voilà, mais du coup, faut le temps qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Mais comme on va bientôt partir, il nous rejoindra en cours. Voilà. Donc il faudrait que tu lui dises où est-ce que vous vous retrouvez exactement.
On peut continuer, hein, c'est juste que j'envoie. Oui. Du coup, je voulais l'épingler aussi parce que sinon je ne peux pas l'oublier. La dame Bohan, du coup, vous perçoit. Elle envoie toute sa délégation droit vers vous. Vous dit, eh bien, venez, votre bateau a été affrété. Votre équipage et votre capitaine vous attendent. Eh bien, pardon. Moi, je la suis immédiatement. Nous vous suivons, Milady. Je voulais juste mentionner que l'on récupère nos armures avant de monter sur le bateau. Ah bah oui, c'est vrai que vous l'aviez pas fait avant, oui, mais Ah d'accord, oui. donc c'est une bonne idée. Moi, de toute façon, j'ai pas d'armure, mais je reste en habit norvégien. Enfin, en habit civil sombre. Oui, je suppose que j'avais enlevé mon armure de cuir et tout. Effectivement, je récupère tout. Ok. Du coup, vous montez à bord du bateau et vous montez à bord du bateau du capitaine Bartabas. L'écris pour la prochaine fois. Vous allez passer un petit moment avec lui. Et du coup, mes hommes sont déjà sur place, hein, d'accord? Oh oui, ils sont déjà à bord. Voilà. Oui. Vous montez à bord du bateau. Atis te suivra hein, après avoir mangé son poisson. Oui, je l'aurais sifflé et puis j'aurais ordonné à mes hommes de monter également sur le bateau. Et du coup, vous montez sur le bateau, vous remarquez qu'effectivement, il y a toute une cargaison qui a été chargée sur le bateau. Vous avez tout un équipage humain qui est disposé à vous faire voyager, qui regarde de façon... Certains regardent un petit peu de façon étrange les militaires qui sont à bord. Et le capitaine qui est à bord vous dit... Direction Zalan, au-delà des montagnes. Peut-on faire un arrêt à Milan avant? Il essuie son nez de son pouce. Il Un essuie. autre navire doit nous y retrouver. Il essuie son nez de son pouce de façon très dégueulasse. Et il te dit, d'accord, si tu veux. Tu vois que, du coup, ta destination a l'air comment dire, de le fâcher. Non. Ça le fâche, mais du coup, il dit à son équipage, direction Milan, puisque mademoiselle souhaite aller au port de Milan. Ce qui est, je le pense, une décision dangereuse, risquée et inutile. Mais bon, c'est votre choix. Je vois que vous n'avez pas entendu l'intégralité de ma phrase quand je vous ai dit qu'un autre navire allait nous y retrouver. Donc que ça vous plaise ou non, nous irons sur place. Il va cracher sur son pont. Mais te répondre juste un simple ouais et partir à la barre.
Et du coup, On est d'accord qu'il va me retrouver là-bas. Oui. Ok. Et du coup, Margaret, de son côté, va vous saluer, vous souhaiter bonne chance en faisant une étreinte particulière à Farmyard et en lui glissant dans le dans au plus proche. Je compte sur toi pour me la ramener. Vous en faites pas. Et avec sa délégation, elle déblaye la place pour permettre au bateau de sortir du port. Donc voilà. Ça doit être un sacré bateau parce que j'ai déjà 40 hommes, plus les deux demi-ogres. C'est un sacré bateau. Plus Garrok qui vaut au moins 2 ogres et demi. Le bateau est à plein. Strictement à plein. Là. D'où le fait, sans doute. C'est pas grave, on pourra acheter quelques loups à la mer. D'où le fait que, justement, comme le capitaine voulait aller à Zalan, le fait que tu veuilles y aller à Milan, ça le fâche un peu, parce que du coup, au niveau de la logistique, ça lui fait dire qu'il va prendre du retard. Et ça ne l'amuse pas. Il va pas être amusé, il a été payé pour faire ce qu'on... Ah ben non, ah non, 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 il est pas payé pour faire ce qu'il fait, parce qu'il a été réquisitionné pour le faire. C'est ça le truc. Il a pas été payé pour le faire. C'est pour ça qu'il est pas content. Ah oui, non, mais les maisons de Jarndal sont assez, comment dire, avares sur les bords, quoi. Et vu l'heure, je pense qu'on va peut-être en rester là pour ce soir. Oui. Oui. Eh bien. Très bien. Mais je sens que Jacinthe va devoir montrer du torse.